est faite de passages difficiles, de joie et de moments impossibles à qualifier. On les vit à toute allure, souvent étonnés que nous sommes d'en avoir été les acteurs. Il en reste une transmission et parfois de l'amour. Je vis à New York depuis plusieurs années et l'étranger a été l'occasion de me poser des questions essentielles. Suis-je le sol qui m'a vu naître, le nord de la France? Quelle vérité transporte ma langue? Qu'est devenu l'enfant que j'ai été? Les réponses ne venaient pas, tout était trouble. Les instants de grâce existent, le voile devrait se lever. La liberté éclairant le peuple. Celle que la France a offerte aux États-Unis est une liberté imposante comme un géant. Moi, les premiers signes de liberté que j'ai connus, je les ai vécus auprès d'autres géants. Ceux de Douai, ma ville natale, s'appellent les Gaillans. Ils ont illuminé mon enfance et me reviennent de plus en plus à l'esprit. Il nous arrive parfois de vouloir tout exploser car on n'a plus les mots. Il nous faut alors descendre en soi comme un mineur de fond pour repartir à zéro. J'ai proposé à deux amis américains, André et Adèle, de m'accompagner en France, à Douai. En les invitant dans mon monde, je tente de me comprendre davantage. André fut mon professeur d'anglais. Elle est devenue ma première amie à New York. The first time that we have met, I said we have a treasure in our mind and we don't even realize it. Right. Yes. We're like fish in the water. Yeah, fish exactly. That do not know they're in the water. They don't know what water is. Yeah. That's culture, and when you start to learn someone else's language, then you begin to realize that you're learning their culture as well. Yeah, as well, absolutely. Yeah. You're passionate about French culture. I love French culture. Yeah. Yes, you, I love French history. Seen, yeah, and cinema, because I know you've yeah. seen a lot of French movies like Germinal. Germinal, yes, yeah. I love that movie. I watched that, and I. It's about the region you're from, yeah. And I enjoyed that because it was about real people, about the common people, and I could identify with that because my grandfather was a coal miner. Your grandfather was a coal miner. My grandfather was a coal miner in Alabama, and I'm so glad that you invited me. I feel oh like no, but I'm so glad you accepted my invitation for making this documentary and coming with me in my hometown. You know, I'm because thrilled. People there are really authentic, and I know authenticity could be a really suspicious word, right? I think well, maybe it has become that only because it's a sought after thing in a world where we have less and less authenticity. Yeah, yeah. Lorsqu'André et moi avons rencontré Adèle Maxwell, c'est justement son authenticité qui nous a séduit. You know how I call Adèle's place? How? The Chauvet Cave. Oh, what is the Chauvet Cave? It's a prehistorical cave. Oh yeah. And basically Adèle's studio is pretty much like wow. Adèle réinterprète les rebuts. Il leur donne une autre existence. À chacun de mes passages, face à de nouvelles œuvres, je suis surpris. J'ai cette sensation d'être dans un lieu familier où les souvenirs d'enfance cohabitent avec l'éphémère, la fragilité de la vie, l'absurde aussi. We don't want to interrupt. Yeah. No, you're not. This is spontaneous as anything else. I'd rather be compared to a caveman than a salaryman. Yeah, that's what we're seeing. But when you say that to me, what it means to me is that it's the basic human impulse to create art that we see in the Lascaux Cave and the
Bien qu'ayant travaillé pour de prestigieux magazines américains, André appartient au même monde que celui d'Adèle. Je leur ai proposé de vivre ensemble cette aventure car ils ont le même âge, le même appétit de vivre. I'm not trying to save anything. Yep. J'ai invité mes amis à Douai en ce début de mois de juillet car je veux leur faire partager des émotions d'enfant. Dans quelques jours auront lieu les fêtes de Gaillan. Gaillan signifie géant en Picard. L'histoire de ce géant est liée à l'histoire de Douai. La ville a été assiégée à plusieurs reprises. Elle fut flamande, bourguignonne, puis espagnole, avant de devenir française en 1667. Nous savons que le géant Gaillan fut créé en 1530 pour intégrer une procession à la mémoire du saint patron de la ville. Il parade dans les rues avec un succès tel que l'année suivante, Marie Cagenon, son épouse, est créée. Mais que représente Gaillan? Pour tenter de le savoir, j'ai contacté Roger Facon, ancien policier devenu célèbre pour ses polars. Ses enquêtes se déroulent souvent dans la région. Elles sont parfois teintées d'occultisme, car Roger les enrichit de son histoire familiale. Chez lui, on lisait dans les astres, on voyait au-delà du tangible. Mais mon aïeul, ma grand-mère, voyait en Gaillan une manifestation du surnaturel. La ville est assiégée par les troupes de Coligny, et puis il y a un géant qui apparaît, enfin un chevalier de lumière avec une épée de lumière. Les troupes de Coligny qui assiégeaient la ville ont vu ça et se sont sauvées. Donc on dit que Douai a été sauvé miraculeusement par l'apparition. Alors après, les interprétations divergent. Certains disent que c'est Saint-Mauran qui est apparu. Saint-Mauran, protecteur de la ville. À partir de là, on en fait ce géant qu'on voit à travers. Qui a évolué d'ailleurs. Oui, bien sûr, il a évolué. Mais il y a des symboles qui sont restés. Et les symboles qui sont restés, à travers l'évolution du géant Gaillan, c'est le bouclier. Le bouclier resté. C'est un bouclier rond. Au centre du bouclier, il y a
on dit un D, hein, la lettre D. C'est un D gothique. Un D gothique. Et si on analyse, si on regarde bien ce D gothique, c'est surtout la figure stylisée de la grande ours. Fascinating. Yeah, it's fascinating. See it every night. Ici, c'est une terre où on travaillait beaucoup. Il y a eu les mines aussi, hein, c'était un travail dur, hein, etc. Donc la fête, c'est le moment de, bon, ben, de, voilà, d'oublier ses soucis, etc. Et puis, dans le légendaire universel, partout, dans tous les pays, on dit qu'à l'origine, il y avait des géants, hein, qui sont venus sur la terre, des géants. Quoi. Ah. Voilà. Le géant Gaïan symbolise donc le protecteur de la ville. Et monsieur et madame deviennent les géants de Douai. Ce n'est qu'à la fin du XVIIe siècle que le couple aura des enfants, d'abord Jaco, puis Fillon, et enfin, le petit dernier, Bimbin. À cause des guerres, des révolutions ou sous la volonté de l'Église, les géants seront plusieurs fois détruits, mais toujours reconstruits. Les fêtes de Gaïan durent 3 jours, du dimanche au mardi en début juillet. Le dimanche matin est un moment privilégié. Les Douaisiens retrouvent leurs vedettes, ceux qu'ils ont attendus toute l'année. Et l'après-midi, ces retrouvailles sont couronnées d'un grand défilé. Nous sommes à 3 jours de la sortie des géants. La ville s'apprête à accueillir le défilé et ses artistes de rue. Nous rencontrons Florian, qui dirige une compagnie de spectacles pour enfants. So it's a specific doll because this is Bimbin, you know. Bimbin is the youngest of the family of the giants. Oh. Yeah. It's a tradition to kiss Bimbin if you consider yourself as a Vendosier, which means people from Douai. You have to kiss the youngest. Yeah. You can kiss Bimbin. Florian n'organise pas seulement des spectacles pour enfants, il aide aussi des bénévoles à préparer un char pour le défilé du dimanche. Dans l'atelier, on s'active dans tous les sens. Les bénévoles vivent les derniers instants de construction de leur char. Ils y travaillent depuis 8 mois et ont l'honneur de clôturer la parade. La responsabilité est énorme. Ils doivent être à la hauteur des 14 autres chars qui sont, eux, construits par des professionnels du spectacle venus de toute l'Europe. Vive le roi. But you think it would be possible to have so much volunteers working on such a project? Oh yeah, yeah, absolutely. I mean, that's how they build everything in New Orleans, you know. Oh yeah, right. Yeah. You know, they have wonderful floats there, and everybody works on them for, like here for a year. And the same in Carnival in Brazil. I've never been there, but I know they're families and. Right, and people are very. I mean, look, it's fun. I would do this. Yeah. There's some nice creative people with spare time all around the world. Right. Vive le roi. Oh, right. Bye. What am I paying you for? You're not paying me anything. I'm just a slave. Oh yeah, I forgot I promoted you. Fabrice Maffre est guide et conférencier passionné par Douai. Il nous fait l'honneur de nous en dévoiler ses passages secrets. Cette ruelle des Minimes, elle existe depuis le XIIIe siècle. Oh, 13th century. Touching the 13th century. Elle touche le 13e siècle. Before the United States existed. Pardon, excusez-moi, vous dites. Before Christopher Columbus. Ah oui, c'est vrai, c'est avant Christophe Colomb. C'est une ruelle qui était très empruntée parce qu'elle aboutissait autrefois ici à un grand cabaret. Oh, yeah, there's secret entrance. Amen.
Les beffrois sont nombreux dans le nord de la France et en Belgique. Ils étaient un symbole de pouvoir. La construction du beffroi de Douai a été entreprise en 1380 pour s'achever près d'un siècle après. Il abrite 62 cloches qui annonçaient jadis le lever du soleil et le couvre-feu, rythmaient les heures de travail et de repos, signalaient les incendies et appelaient les bourgeois à prendre les armes. On va surtout retrouver ici la plus grosse cloche du beffroi. Joyeuse, on l'appelle comme ça. Joyeuse, that's the name of the bell, which is the heaviest one. Mm. Elle pèse 5,5 tonnes. 5 tons. Ouf. Et puis une fois par an, quoi, pour les fêtes de Gaillan, on la balance. Alors, on entend le carillon automatique, hein, c'est la demi-heure, hein, vous voyez, tous les quarts d'heure. On sait qu'il y a un carillon, un carillonneur, depuis 1391. Et à Douai, il y a une école de carillon. Au conservatoire de musique, il y a une classe de carillon. Il y a une quinzaine d'élèves qui apprennent à jouer du carillon. T'es prêt ? Comme tant d'écoliers, j'ai découvert le monde à travers les livres. Les livres d'images, les livres d'histoire, mais aussi les romans. Ma mère était professeure de français dans ce collège, mais elle enseignait également la musique. Elle avait pour habitude de faire découvrir à ses élèves la musique classique avec une œuvre de Smetana, la Moldau. Elle racontait comment Smetana avait retranscrit par la musique le caractère de la rivière, la force du courant, petit au début, puis majestueux par la suite. Le Nord est une région qui se révèle avec le temps. Elle paraît grise, triste et froide, mais ses reliefs sont faits de nuances. Le Nord est subtil et surprenant. Plus on le découvre, plus il est coloré, joyeux et plein de chaleur. Ses habitants sont à son image. Il y a de la profondeur et de la pudeur chez eux. L'une des richesses méconnues du Nord est aussi sa gastronomie. Nous rencontrons Yannick Cornet,
un passionné des bonnes choses. Parce qu'ici, on est dans une région où il y a beaucoup d'ouvriers. C'est une région d'immigration énorme. Il y a eu différentes phases. Et moi, mon grand-père tchécoslovaque est venu, après, entre les deux guerres, est venu travailler avec ses parents. Ils sont venus travailler en France. Donc mon grand-père, quand j'étais petit, m'a donné le goût des clowns. Et la chose que je voulais faire, j'ai toujours voulu faire, c'est faire le clown, le clown. Mmh. Et quand j'étais jeune, une de mes passions, c'est l'amour du vin. J'aime beaucoup le vin. Donc quand j'étais avec mon grand-père, immigré tchécoslovaque, quand j'étais jeune, je me ruinais pour acheter des premiers crus classés. On pouvait encore avec mon argent de poche. Et tous les dimanches, j'ouvrais une bouteille à mon grand-père. Mais il ne savait pas ce qu'il buvait. Alors il buvait Mouton Rothschild, de Lafitte Rothschild. Et il disait, il est bon ton vin. Et il coupait des petits morceaux de fromage. Et il mangeait comme ça avec aucune attention, tu vois. Et il disait, je voudrais en acheter, je lui dis, non, c'est trop compliqué. Sylvie, amène-moi La Voix du Nord, s'il te plaît. C'était quand tu as besoin. Et tous les jours, je fais un portrait, une chronique dans La Voix du Nord. Mais c'est un journal qui est très, très lu. Pour nous, il y a 1,2 million de lecteurs. Wow. Par jour, en France, c'est beaucoup. Every single day he does an article about food, and this is viewed by Yannick passe à table. So you travel a lot to visit all these different chefs. Je commence à en faire beaucoup à l'extérieur, parce que j'ai un excellent photographe qui fait des portraits vraiment exceptionnels. Moi, j'amène les cartes. Alors évidemment, il y a des moules. Et il y a de la tarte maroilles, si on veut, hein. Alors, ma tarte maroilles, je vous l'avais dit. Ouais, la tarte maroilles, absolument. Début comme ça, pour rire. Ouais, voilà, pour rire, ouais. Moi, j'aimerais du pelin, je veux du chetti. Une chetemi. Merci, Sylvie. Merci. Cheese. Ready. Une merveille. Notre région, c'est une des plus belles régions gastronomiques. Mais c'est quoi une bonne région gastronomique? C'est pas forcément une région où il y a des grands restaurants. C'est une région où on produit des choses. Et dans le Nord, on produit tout. Donc t'as tout, t'as la mer, t'as la terre, t'as tout dans le Nord. Mais dans le Nord, il n'y a pas de restaurant étoilé. Au départ, il n'y a pas de... Parce que il y a deux raisons. Premièrement, les ouvriers ne vont pas au restaurant, ils n'ont pas les moyens. Et c'est une région de travail. Et la deuxième raison, c'est les gens riches, très riches, et dans le Nord, il y a des gens très riches, ils ne vont pas au restaurant. Ils se réunissent entre eux, ils prennent la cuisine à leur maison, ils vont quand ils vont en vacances, mais ils ne vont pas au restaurant. Donc, il n'y avait pas besoin d'avoir de restaurant étoilé. On a ça à Paris. Pourquoi on a ça à Paris? Parce que Révolution française, les châteaux, les nobles sont guillotinés, les cuisiniers sont au chômage, donc ils s'installent à Paris et ils ouvrent des restaurants. Ils ouvrent des restaurants, ils font un service à la française. C'est quoi le service à la française avec les plats? Pour faire qu'on en servait les maîtres. Mais je te reconnais, tu te vins de main coin. Je te reconnais, tu te vins de main coin. Je t'ai rencontré d'un chez rue de Roubaix ou à Tourcoing. La culture se transmet d'abord par la langue et le picard a souvent été méprisé. Gildo, le serial crieur, fait du slam picard et avec ferveur défend comme Jean-Pierre Fitzner le dialecte de la région. André, bon, et Adèle, ils ont entendu parler de Bienvenue chez les Ch'tis. Alors est-ce que Bienvenue chez les Ch'tis, c'est complètement un mensonge ou bien... Non. Bienvenue chez les Ch'tis, c'est un peu caricatural. C'est caricatural. Parce que le patois qu'on y parle, c'est pas le patois. Mais c'est vrai que le Ch'ti, ça n'a rien à dire. Ça vient du temps où il y a volé guerre de 14-18 dans les tranchées. Ouais. Alors d'un côté, tu as volé parisien, de l'autre côté, tu as volé ceux qui étaient du Nord. Alors les Ch'tis, Ch'ti, le parisien de chez les Ch'tis. En fait, c'était une espèce de mot de passe, en fait. C'est-à-dire que quand ils voyaient quelqu'un dans le noir, comme à l'époque, voilà, ils ne pouvaient pas s'éclairer. Et donc ils disaient est-ce que Ch'ti? Et l'autre répondait Ch'mi. Et c'est comme ça que c'est devenu Ch'ti, Ch'timi. En fait, Ch'ti, Ch'mi, Ch'timi. You say me, and we say me. You hear. Mais il y a énormément de mots comme ça en fait qui sont ressemblants, comme gardin, garden, carrette, carte, même 7 o'clock, et ça vient du picard, al clock. Oh my god! C'est en fait, il y a pas mal de. Voilà. Yeah,
Al cloc, c'est-à-dire à la cloche. Waouh! Ça remonte à la Révolution française en 1789. Parce qu'à l'époque, les Français ne parlaient pas le français, ils parlaient des langages voilà. suivant les lieux où ils étaient, le Languedoc, Bretagne, les régions, les Bretons, voilà. Ouais. Et pour faire une unité d'un nouveau pays, ouais. les dirigeants de l'époque ont dit, bah, la Révolution, il faut refaire une unité d'un pays, et la seule solution, c'est que tout le monde parle la même langue. Donc on a imposé dans les écoles de parler voilà. le français. Sauf que ça s'est fait, entre guillemets, d'une manière forte. Les enfants étaient quand même vraiment brimés. Voilà. Bridé et brimé lorsque s'il parlait breton ou l'alsacien. C'est impressionnant. Et à quel point vous diriez, est-ce que vous êtes d'accord si je vous dis que par exemple, comme la nourriture elle influence les êtres ou bien le sol influence la nourriture et vice-versa, est-ce que vous diriez qu'au fond la langue c'est le reflet des gens du coin? La culture d'ici, elle t'appartient. La langue d'ici, elle t'appartient. Et tout ce qui est ici, t'appartient. Tout le monde communie ensemble avec la même base, avec le même socle, en fait. All languages are equal. And bien sûr. Yeah, bien sûr. And the attitude that some languages are better and superior, or some dialects, or certain ways that are superior, is wrong. Le picard est une langue vivante. Si on ne la pratique plus, si on ne l'est plus, c'est fichu. Dans 2-3 générations, on n'en parlera plus du picard. Et une langue, c'est pas comme un plan d'une structure qu'on peut refaire, on voit la brique, on voit le machin, on peut le refaire si on a le ciment. Tandis qu'une langue, si on n'a pas l'intonation quand on la parle, ça sert à rien, il faut avoir l'intonation. Vous pensez que c'est sexy la langue? On peut séduire avec le picard? Non, nous autres, c'est le vrai lingue, de chez Marouleux. Quand te vaut un bien loot et que te dis, un loot mi artisote, tu ne des beaux hymnes, un loot, pour ta pince. Oui. Vous avez vu, ça marche. Nous sommes à 24 heures de la sortie de la famille Gaillan. Dans la ville, des géants venus de toute la région et de Belgique paradent. Les processions de géants sont très courantes par ici et célèbrent tantôt les saisons, des corps de métier ou des événements historiques importants. Les géants sont un symbole de l'identité collective. En général, ils sont fabriqués en osier, mais d'autres en métal. La plupart sont portés, mais certains avancent sur roulettes. La famille Gaillan paradera demain. Ce sont des stars. De tous les géants, ils sont sans nul doute les plus majestueux. Leur visage est en carton peint posé sur une structure de bois et d'osier. Les géants ont leur maison, adaptée à leur dimension. Monsieur Gaillan mesure 8,50 m et pèse 370 kg. Il est porté, comme son épouse, par 6 hommes qui composent la famille des porteurs de Gaillan. Quant aux enfants, Jaco, Fillon et Bimbin, ils sont chacun portés par un homme. Jaco est le mannequin le plus lourd, il pèse 80 kilos. J'emmène André et Adèle à la rencontre des porteurs des enfants Gaillan. Est-ce que vous pourriez nous présenter la famille? Alors ça commence. Bon, bah, Ludo, Ludo, mon mari, porteur de Jaco. Mm-hmm. Après, il y a mon fils Maxence. Ma fille Cécilia. Mm-hmm. Après, il y a Dylan, je ne sais pas où il est. Ah, le petit Dylan, ouais, qui est là-bas. Le petit Dylan qui est là-bas, qui court. Après, il y a Maëva avec ses lunettes de soleil. Après, il y a le petit Louis. Ah, le petit Louis. Voilà. Et il y a la petite Mélina. Elles sont pas envieuses alors les filles de pas. C'est ma fille, apparemment, me dit pourquoi nous on peut pas faire Gaillan. Les filles ne peuvent pas faire Gaillan. Nous on est là, on lave les blancs, on les repasse. Uh-huh. Et puis bon, on les suit. Qu'est-ce que c'est, Bamba? C'est son anniversaire. Alors avec Maxence. C'est une vraie passion, hein. C'est incroyable. Ouais, franchement, ils en parlent à longueur d'année. Mes enfants, toute l'année, on entend parler de Gaillan. Ouais, c'est vraiment Ils sont nés là-dedans, on va dire.
On baigne dedans. Hein. En fait, comme nous, tous les ans, on fête ça, on vit ça d'une force phénoménale. Eux qui nous accompagnent, en fait, ils ressentent ça et ils veulent participer. Mais justement, ils veulent participer, ouais. Oui, même, c'est même pas limite, c'est même pas oral, il n'y a même pas besoin de s'expliquer, ah non, c'est évident, quoi. Tu vois ça dans leurs yeux, en fait. Gaillan, pour nous, c'est nos parents adoptifs. Même nous, gamins, ben, comme Dylan, on était baignés dedans. Moi, mon père portait, on avait des amis, les cousins à porter, on était baignés dedans. Quoi. Un peu comme les gens qui font du cirque. Quoi. Moi, j'ai hâte d'être un Gaillan et j'ai hâte de porter Jacques. Ah, tu veux porter Jacques. Moi, quand j'étais petit, quand j'avais ton âge, j'avais envie de voir. D'abord, il me faisait un peu peur, les géants, et d'une. C'est vrai. Ah oui, ils font peur. Hein. Ah, et puis, ouais. Moi, quand je les ai découverts, non. Tu n'avais pas peur du... Bah, mais t'as grandi. tu sais, tu connais toutes les ficelles de toi, tout le décor, toutes les coulisses, tu vois. De toute façon, mon game me fait peur, sauf les grosses araignées, mais les petites, j'ai des gommes. C'est mignon. Et t'as encore combien de temps à attendre alors pour porter Jacques? Parce que c'est en gros à peu près pour ceux qui commencent, ça, d'abord c'est la majorité déjà, oui, et d'une, ils sont d'abord quêteurs. Quêteurs. Ça peut avoir un an de minimum. En fait, il n'y a pas de durée en fait. Ouais. S'il manque une personne qui est apte à porter, il portera à la place de la personne. Ouais. Mais après, c'est pas parce que moi j'ai porté Jaco, ou Daniel porte Jaco, que son garçon va porter Jaco, ou que mon garçon va porter Jaco. D'accord. Je sais déjà que Adèle, il veut essayer alors. Ah oui. Il va essayer dimanche matin. Oui. Yeah. You're ready, man. Dimanche matin, 9h. Let's do it. Bon, il va déjà essayer quelques secondes, parce qu'il m'a dit 5 minutes. Je dis, tu me parais un peu optimiste. Déjà, essayer de le décoller déjà. What you saying? I'm weak right now? I'm an optimist? Yeah, no, not you weak, but I said you're optimist to do 5 minutes because you said 5 minutes. And I guess 5 minutes is... Let's say 10. 10, oui. Il y a une limite d'âge quand même. Parce que quand même, vous pouvez pas... Oui, j'imagine qu'un homme de 60 ans, il a quand même pas la même force qu'un gars de 20, quoi. Moi, je me dis, perso, tant que je peux le faire, je fais. Le jour où ça passe plus, bah, malheureusement, malheureusement, il faudra arrêter. Malheureusement. Après, je pense, il faut être lucide, quoi. Voilà. Et à la relève qui est derrière. Ouais, voilà, c'est ça qui est beau, de transmettre aussi. Voilà. C'est de la transmission. Voilà, ouais. Ce qu'on fait, en fait, et beaucoup, hein, ce qu'on fait, notamment... Tant qu'on peut le faire, voilà. Comme je lui ai dit le dimanche, hein, on fait essayer des gens. En fait, des gens du public, on leur fait essayer justement nos géants pour qu'eux savent ce que nous on subit pendant 3 jours. Ouais. Est-ce que je peux voir ton. Bien sûr. Ah oui, tu vois. Ah oui, oui. Yes. Oui. Wow, nice. Bonbon. Ouais. J'ai. Jaco. Jaco. And Damza. Fillon. Vachement d'émotion parce que c'est chaque année. Moi je vous vois, hein, chaque fois à la fin vous pleurez, vous êtes vraiment. Oui, parce qu'après c'est que 3 jours, hein, c'est 3 jours en une année. Ça passe hyper vite. Grâce à Gaillan, la ville de Douai fonctionne quand même. Ouais. La ville bouge quand même. Pouvoir reprendre, on va dire, ce que mon père a construit, ce que mon grand-père a construit, c'est un honneur, on va dire. C'est une fierté parce que vous grandissez avec. Hein. C'est ça. Ouais. C'est pouvoir reprendre ce que nos pères, ce que nos parents ont entrepris. C'est la star. Il n'y a jamais eu d'accident avec les Gaillans? Si, il y a déjà eu des accidents. Accident? Ouais. Non. Ils sont tombés complètement à l'horizontale? Oui, carrément. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé en réalité? Il a été déstabilisé. Il y a quelqu'un qui a traversé juste au même moment où il courait. Donc il y a quelqu'un qui a traversé et il s'est pris le mannequin. Puis on peut pas le retenir avec le poids. Oui, parce que c'est une question d'équilibre en fait. Voilà. Faut bien trouver. Voilà, avec le poids, si jamais on retient, on se croque les reins. Quoi. Donc, Ça c'est du patois. Bilout. Voilà. Bilout. Ça c'est du patois. Du patois chez nous. Bilout. Aujourd'hui, les Gaillans sortent. Il est 6h du matin et Odette Bourdet, la doyenne d'une des familles de porteurs, la mémoire de Gaillans, perpétue comme chaque année un rituel. Il y a X temps que je fais ça. Ouais, depuis combien de temps alors? Hein? Depuis combien de temps maintenant vous faites? Hein? Depuis 46. Depuis 46? Oh là là. Ah, vous en avez vu des filles et des Gaillans. Hein? Ah, je connais tout par cœur. Il y a une seule année qu'ils n'ont pas, Gaillan n'a pas sorti,
parce qu'il a plus. Mais alors, mais une averse, c'est l'année que ma fille elle nous montre, c'est en 53. Mais alors, mais averse. Et il s'est passé toute quoi, alors ? Toute la journée. Toute la journée ? Donc, il n'est jamais toute sorti ? Toute la journée. Il n'y a pas eu dimanche de gaillance, je vois, cette année-là. Non, il n'a pas sorti. Ils l'ont mis à l'abri parce que c'est lourd, hein, les grandes figures. Ah, et surtout que si elles prennent la flotte, ouais. Oui, c'est lourd, les grandes figures, avec la pluie. Nul. Ouais, et quand vous voyez des portes, des quêteurs de goyants avec leur femme bras dessus, bras dessous, alors là, ça m'aurait pu. Je serais dans le comité, je crois qu'ils sont renvoyés tous. Vous voulez dire quand ils quêtent, quand ils sont censés oui, quêter, c'est ça. Normalement, voilà. Normalement, à l'origine, enfin à l'ancienne, quoi, tu vois, les porteurs de goyants et les quêteurs de goyants, en fait, il n'y a pas de femme, enfin voilà. Ça, elle était contre ça, parce qu'à l'époque, voilà, c'était comme ça. Les gars, ils étaient à l'amende, quoi. C'est toi que tu disais bonjour à ta femme, oui, à ta grande famille. Ils mettaient à l'amende, hein, voilà. Donc il y avait des sanctions, en fait, c'est possible, ah, ça. Ah oui, oui. C'est comme ça. Non, ça va pas comme ça, Michael. Si, ça va. Allez, vas-y. Je te dis que ça va pas. C'est plus le parfum, toi. Tu tournes, hein. Ouais. Allez, vas-y. Odette ne tarit pas au sujet des Gaillants et il est difficile de la quitter. Ouais, il ne faut pas faire des événements en dehors de Gaillants. Voilà, ouais, voilà. Ouais. Bon, alors, midi. Oui. Bon, tu les lâches hein, quand même un petit peu. Hein. Je vois dans quel état on dort à l'hôtel de ville. Tout à l'heure, les gars. Vous me raconterez. Hein. C'est un honneur aussi d'être le bonnet quand même. Ouais, quand même, parce que c'est celui qui ouvre le défilé, celui qui est devant, ça fait toujours plaisir de sortir le premier, d'être avec une petite figure, pouvoir faire la fête, pouvoir faire le défilé en entier. Mais ouais, vous avez passé le 3. Votre toute première fois que vous avez fait Gaillant, comme porteur, ça c'est sûr, le stress à 100%. La peur de quoi? De pas gérer Déjà, quand il y a la première fois qu'on le porte, c'est pas évident. Après, bon, quand c'est parti, c'est parti. Ouais, voilà. Par au-dessus ou par en dessous? Par en dessous. Ah ouais. Par en fait le pur, parce qu'il faut le lever. T'es nouveau? Attends. Oh là là, bon. Mais c'est... Oh là 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 là. Minute, t'as vu, t'as jamais fait de bidet, qui a? Ah, c'est bien un d'autre, chaud. Allez. Courage à toi. Chef! Fabien! Moi! On y va? C'est moi le chef. Hein. Allez, rentre la première. Tout le monde y est.
le poids des grands géants contraint les porteurs à s'arrêter fréquemment. Et André qui est américain. Bonjour madame. André avec les bleus. On va se faire la bise. Hein. Voilà. C'est allez, santé. Ouais, bah, j'ai plus rien à boire. Santé. J'ai plus rien à boire. Dites-moi, alors la tradition à Gaillon, pour les cafetiers. La tradition au niveau des cafés à Douai, c'est le 11 coups du samedi matin. À 11h. Ah, c'est le demi qui est offert là-bas. Non. Ah, c'est ça. À 11h, s'il y a un qui veut boire 11 bières, je mets 11 bières. Ouais. Et pendant les 11 coups du 11h, il faut qu'il boive toutes les bières. Et là, c'est gratuit. Donc en gros, ouais. Ça peut faire mal. Ça peut faire mal. Ouais. Voilà. Moi, je n'en ai jamais connu. Hein. Ouais. J'en ai jamais connu. J'imagine. Ouais. So. Look at that! Gaillon. Oh, Gaillon. Ouais, les Gaillons. Ouais. Oh my God, that's great. They're huge. Oh. Yeah. So, Madame. Madame. Marie Cagenon. Mm-hmm. Ah, Marie Cagenon. OK. Ça va, Max? Ça me fait plaisir de vous rencontrer pour la première fois. Bah ouais, mais c'est chouette. I've met Max, many times in Douai, and I know he's really passionate about the Gaillon. And then, maybe like, I don't know, a few months ago, I've met him on Facebook. Mm. Parce que ton nom, c'est Max Gaillon. Voilà, Max Gaillon. Ouais. Toute l'année, t'attends Gaillon. Oui, toute l'année. Ouais. Et là, enfin, c'est le jour J, j'attendais que ça, j'étais très excitée hier. Ouais. Et voilà, ça T'avais dormi quand même, t'étais pas trop... Oui, j'y vais dormi, oui. Et je pense à Gaillon et tout. Je vois que tu as une petite médaille. Ouais. J'ai eu ça à mon anniversaire. Ouais. J'ai eu ça aussi, ça. Ouais. Par la porte de Gaillon. Ouais. Et j'ai plein de choses. Hein. C'est ta passion, vraiment, c'est voilà, ta vie, c'est Gaillon. C'est ma passion, hein. Voilà. Ouais. C'est l'amour de ma vie. Axel, fais bisous. Fais bisous à sa tête. Fais bisous, loulou. Non. Là c'est la maman, là c'est mon frère, là il y a la grande sœur, là le papa. Tout à l'heure je demandais à quelques-uns de tes collègues si vous aviez encore le trac après tant d'années. Quand tu sors, c'est toujours la. Ouais, il y a une petite émotion. Ouais, c'est bien. Ah là, bah. C'est... Bon, première fois, ça fait dans le. Ah ouais. Ah ouais. Ah, il faut trouver l'équilibre, c'est ça. Voilà. Hein. Ah ouais, c'est. Ouais. Être Chobilo, tu vas pas. Il va pas réussir, je pense. Il va éditer 5 minutes, t'imagines. Non, 10 minutes, vas-y. Après, il a dit 10 minutes. Ils vont faire quoi, les 30 secondes? You said 10 minutes, but I bet on 30 seconds. What do you think? I think we should place a bet. We'll wager one beer. Okay. Let's do that. That's right. Chubidou! Let's do it. On the other side, yeah. Just after this guy. Yeah. All right, so 10 minutes is the standing record here. I think it's going to be really a piece of cake. I'm not worried about it. Bon, yeah, good. Qu'est-ce qu'il a dit, Mathieu? Allez, Ben. I can do this all day. We're good. Let's go around the courtyard. Really? That's 30 seconds. Yeah. Well, that's a beer for me. I can do it with you on my back, wearing something. And then I'd walk you both around. Imagine, that would be grotesque, right? Oh, no, that'd be good. I mean, he'd be a gross spirit. What? Inside, madame. That's all they get. That's all they have. So it's behind. They have to trust the guy because he says left, right,
you know, this is a coveted position right here. Yeah, whoa, yeah. This is a lot of responsibility. Yes, indeed, yeah. Whoa. Le point culminant de la sortie des Gaillans est le traditionnel rigodon. Cette danse est originaire de Provence, mais à Douai, elle est devenue d'année en année le symbole des retrouvailles des géants avec les habitants. Venus de toute l'Europe, sont prêts à défiler devant 100 000 personnes. C'est la plus grande parade des arts de la rue de la région. Tradition from Belgium. Marshmallow man. I hate to say it's amazing, but it is amazing. Thank you.
le plus fort vive, le roi sera couvert d'or. Et vive la France, vive Douai, vive Douai la française. À chacun de mes passages à Douai, je fais une visite au musée de la Chartreuse. Cet endroit est unique. Il abrite de vrais trésors. Anne Labourdette, la conservatrice du musée, nous explique que dans la seconde moitié du XVIIe siècle, l'ordre monastique des Chartreux s'installe ici et ce n'est qu'au cours du XXe siècle que le bâtiment deviendra un musée. André et Adèle sont stupéfaits de rencontrer dans le musée d'une ville de taille moyenne tant d'œuvres de maîtres. La découverte la plus représentative de la région et peut-être la plus surprenante est la collection d'œuvres des primitifs flamands. Avant de vivre les derniers instants des festivités, j'emmène André et Adèle à la découverte du billon, un jeu unique dans la région. Au XIXe siècle, il était souvent pratiqué par les mineurs. Après la Seconde Guerre, le jeu a malheureusement perdu en popularité, mais subsiste encore à Douai et à Cambrai. Le principe est simple, il s'apparente à la pétanque. Il faut approcher le billon le plus possible du but. Il faut tourner son bras d'un côté, de l'autre. C'est le jeu de poignet. Ouais. C'était un moyen de distraction. Oui, après le travail. Voilà, c'est ça. Il y a de la télévision, pas de radio. Et voilà. Ouais. Ah. En même temps, se faisait le jeu de javelot. Ah, ça vient en même temps. Ça vient souvent dans les jeux de billon. Il y avait le jeu de billon et le jeu de javelot. Vous voyez ? Oh, puis c'est une distraction. Enfin, on aime ça. Ouais, mais non, mais c'est chiant, hein. Mais bon, on finit pas par se taper dessus à la fin, quoi. Bon, ça serait dommage. C'est pas comme le foot. Ah ouais. Hein? Lionel. Bon, allez, action. Attention, action, là. Louis, Brian, touche terrain. Allez. S'il vous plaît. So you had never seen that before? No, I've never seen this game. I've seen iterations of every other game that might have
been influenced or influences. Voilà, mais il faut qu'on décide de qui est vert et qui est rouge. Voilà. Bon, donc alors, so we are what? Red or green? Red. Red. Okay, so you are green guys. Ah ben, Jonathan est trop fort. Ok. Maintenant comme ça, hein. Voilà. Alors qui c'est le ch'ti? Chémi. Nous sommes mardi. Ce soir, les géants rentreront dans leur maison et il faudra attendre un an pour les revoir. Les porteurs se retrouvent en famille, l'occasion pour les anciens de partager leurs émotions, leurs souvenirs. J'ai 64 ans, j'ai commencé à 18 ans. Ça fait 49, on m'a dit. Oui, 49. Ouais. Donc après, j'ai fait rentrer en premier ma beau-frère. Après mes frères, après mon fils, qui c'est ? Mes neveux, j'en ai tellement. Mais ça fait un pincement au cœur quand même quand vous avez arrêté. Très mal, très mal. Mais moi j'ai arrêté question maladie. Je me suis opéré de là. Maintenant, pour moi, c'est plus les voyants qu'on a passé nous. Il faut aller voir pour voir. Pour moi, jamais je me croyais ça. Hein. Et on est arrivé sur la place Carnot, les patrons de café sortaient le jukebox dehors. On mettait la bouteille de cognac, la bouteille de Genève, les bières, tout ça. Puis... Voilà, c'était... On mettait une pièce 20 centimes, on dansait, on allait chercher les femmes, on dansait sur les tapes et tout. Maintenant, c'était l'heure, t'es l'heure, c'était l'heure, t'es l'heure. T'as plus le droit ceci, t'as plus le droit ceci. Les cafés, ils ferment, donc il n'y a plus l'ambiance qu'il y a eu en 50 ans. Okay. C'est beau un mannequin qu'il est tiré ou alors qu'il est sur roulette. Non, il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de magie, il faut... Non, non, voilà, même voilà. la danse des hommes, voilà, c'est tout. Voilà, voilà. Mais on danse ensemble, c'est voilà, c'est ça. Vous êtes le cœur, en fait, vous êtes à l'intérieur, vous êtes le cœur et vous leur donnez vie. Exactement. Il arrivera un moment donné, moi, mon avis personnel à 75 ans, je vous le dis, il arrivera un moment donné, il n'y aura plus de porteurs. Il n'y aura plus de porteurs. Les porteurs qui porteront, ça sera des gars de la ville. Mais pour vous, c'est quoi ce qui est le plus symbolique chez vous dans Gaillard? Quand vous étiez petit, par exemple, qu'est-ce que vous rêviez? Un miracle. Ouais. Quand vous voyez, je ne suis pas chauvin, mais quand je vois les géants n'importe où, dans toute la France, c'est les notes les plus beaux. Oh, la petite Alice, Alice, il faut boire. Ok.
Ah, on parle pas toujours comme ça. Non. Faut pas voir le film. Mais non, les ch'tis, c'est un peu caricaturé. Ouais. Dimanche, c'est un stand-up. Parce qu'on parle pas. Le ah, pardon. Comme un. Comme un. Si, on pourrait dire un. Un. Ouais, ça arrive. Il a bien dire. Un. Ouais. Non, on va dire un. Qu'est-ce que t'as dit? Comme t'as dit. C'est quand on est sourd. Ah. Quand on est sourd. Passe-moi la langue, hein. Not a French kiss, c'est ça. Viens par ici, viens par ici. Voilà. Le soir de la rentrée des géants à leur maison, la tradition veut que les cafetiers offrent une bière aux porteurs. Année après année, les porteurs ont créé un rituel. Ils saluent l'hospitalité des cafetiers d'une danse du trublion bimbin. Que les Douaisiens appellent la rentrée des Gaillans commence en fin d'après-midi et s'achève dans la nuit. La foule devient de plus en plus compacte autour des géants. De café en café, les porteurs les acheminent jusqu'à leur maison. Il est de Brooklyn, il connaît quand même pour la bière. Hein. C'est génial. Vas-y, allez.
this evening. Explosions, colors, sounds. Unpredictable as it is. Glamorous. And unforgettable. I am astounded. Les feux sont à peine terminés que monsieur rejoint sa destination finale. Comme si le père de famille voulait sonner le glas de la fête. La foule, elle, ne l'entend pas de la même oreille. À tour de rôle, les enfants gaillants descendent la rue en direction de leur maison. Il semblerait que la fête s'achève. Mais les enfants sont farceurs. Ils font semblant de rentrer pour mieux remonter la rue sous les acclamations. Ce petit jeu va se répéter plusieurs fois et l'ambiance s'électriser. Madame Gaillan salue la foule. Il est l'heure de rentrer. Contre toute attente, Madame remonte la rue. Donc, à coup, Madame descend, les petites figures. Deuxième fois, les petites figures. Donc, c'est une façon de dire, Madame Gaillan, elle dit maintenant ça suffit, il faut rentrer, voilà. La fête est finie. Voilà. Finalement, elle revient quand même. Voilà. Ouais, ouais. Donc, c'est pour des gens. Et puis après, bah, comme tout enfant, il y a toujours le petit dernier qui n'est pas content. Ouais, lui, voilà. Il fait du zèle. Voilà. Il reste plus longtemps. Elle regarde sa ville pour la dernière fois, parce qu'après, elle ne va plus la voir pendant un an. Donc, je pense qu'elle jette le dernier regard sur la ville de Douai, ouais. Parce qu'après, elle est un an sans sortir. Et puis elle a une belle vue là. Hein. Ah, de là on voit très très bien, ouais. Ah, ouais. Et de là, le monde est tout petit. Ouais. Monsieur, le père de famille, montre l'exemple. Il salue pour rentrer définitivement à la maison. Le public se tait. Il veut entendre le son du géant qui heurte le sol pour la dernière fois. Hop ! Au volontaire ! On avance ! Une et deux ! C'est au tour de Madame de rentrer pour de bon. Encore. Encore. Pour nos absents, Thierry Fela, pardon, Jean-Pierre Grosmy et Jean-François Aubert-Cruz. Et pour la basse, une et deux. Les fêtes de Gaillan sont en peu de temps un baptême et un enterrement. Le moment où il faut dire à ceux que l'on aime à quel point on les aime. Ce sont les premiers amours d'enfance, mais aussi les retrouvailles des adultes que nous sommes devenus, avec les enfants que nous avons été.
et comme tant d'autres traditions, elles n'ont aucun but commercial. Contrairement au Moyen-Âge, l'ennemi ne menace plus aux portes des villes. Et pourtant, nous sommes mondialement menacés par un ennemi commun. Face à la finance absurde, il faut préserver nos traditions. Attention pour la basse ! Une, et deux ! Bravo. Merci. Hein. Merci pour tout. Ouais, merci. Merci. Les traditions nous relient les uns aux autres pour le meilleur. Les géants nous obligent à regarder plus haut. Ils sont un symbole. Ils sont le passé qui pèse sur nos épaules et le futur car ils ont la grandeur des espoirs. Sans les porteurs, les géants ne sont jamais que des monstres de paille. Ces géants sont majestueux car leurs porteurs en sont dignes. Et les porteurs sont portés par les géants, comme c'est le cas pour nous-mêmes lorsque les épreuves nous façonnent. Si ces mannequins d'osier prennent vie, c'est aussi parce que nous, spectateurs, voulons les faire vivre. Nous nous voyons à travers eux. En quittant New York, je me demandais si j'étais le seul qui m'a vu naître, que nous soyons de l'ouest ou de l'est. Nous sommes restés des enfants au fond de nous et sommes chacun chargés de nos géants. Don't you worry, my dear, your footsteps will ring clear as we trace our paths winding in the sand. Never forget, my love, what's now below was once above. Right here, about where we stand. In that spot that's always bright, sometimes we forget what's wrong. What's right, that's when it's time to go right on home. You return to the place where you got your name and you got your face. It's the home of the mind and of the heart. If it's a place you've never been, don't you fret, because you've got a friend. It's something that we've always known. Never forget, my love, what's now below was once above. Right here, about where we stand. Les plumes de deux ailes désignent deux aquarelles. Suis-je un géant?